parler de niveau, donc on va de dimension en dimension. Et il y a des gens qui ne veulent même plus qu'on puisse citer le nom dimension quand on prêche. Bien aimé, ce n'est pas parce que les occultistes disent dimension que moi j'ai pas le droit de dire dimension. Les occultistes disent pouvoir, moi aussi je dis pouvoir. Les occultistes disent puissance, moi aussi je dis puissance. Alléluia! Les occultistes disent force, moi aussi je dis force. Ce n'est pas parce qu'eux disent dimension que moi je n'ai pas le droit de dire dimension. Le Larousse est pour tout le monde. Ces quatre choses révèlent les quatre dimensions de l'onction. Certaines personnes ont l'onction des chevilles, d'autres l'onction au niveau des genoux, d'autres l'onction au niveau des reins et d'autres nagent dans le torrent. Le plus haut niveau, c'est nager dans le torrent. Ce n'est pas d'avoir l'onction au niveau de tes chevilles. Ce n'est pas d'avoir l'onction au niveau de tes genoux. Ce n'est pas d'avoir l'onction au niveau de tes reins. Cette onction s'est manifestée même dans la vie de David. Lorsque pour la première fois, il avait été roi, mais derrière les brebis de son père. Il avait l'onction de l'esprit, mais il était derrière le brebis de son père. Et dans la vie chrétienne, quand est-ce que cette onction vient dans notre vie? C'est lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première onction que tu reçois. Le Saint-Esprit vient dans ta vie le même jour où tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Tout chrétien a l'onction. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Vous êtes des rois. Dites Amen. Quiconque est sauvé, quiconque a reçu Jésus-Christ a la première onction, l'onction au niveau des chevilles. Mais ce n'est pas la dernière onction. Certains jusqu'à leur mort, vous n'aurez que cela. Vous n'aurez que cela parce que vous ne désirez pas plus. Il faut désirer plus pour grandir et il faut désirer plus pour recevoir. Car Dieu ne donne ces choses qu'aux assoiffés. La deuxième onction, au niveau des genoux. La Bible nous dit qu'Ézéchiel n'est pas resté au niveau des chevilles, mais il a évolué jusqu'au niveau des genoux. Le torrent était au niveau des genoux. Et lorsque tu as l'eau au niveau des genoux, ça pèse davantage et ta démarche change. Alléluia. Au niveau des chevilles, c'est l'eau. Au niveau des genoux, c'est l'eau. Mais il y a un autre niveau de quantité. C'est toujours le même Saint-Esprit, mais avec un autre niveau de puissance. Et dans la vie chrétienne, quand est-ce que nous avons cette deuxième onction? C'est lors du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Lorsque tu crois, tu as le Saint-Esprit. Mais lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit où tu es rempli et revêtu de puissance. Et cette expérience s'accompagne du signe du parler en d'autres langues. Qui parle en d'autres langues en ce lieu? Bien-aimé, si tu as la foi et tu ne parles pas en d'autres langues aujourd'hui, tu seras baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues et tu vas parler en d'autres langues. Dis-moi Amen. Bien-aimé, de plus en plus, les chrétiens ne veulent plus parler en d'autres langues. Nous devenons tellement intellectuels que nous nous contentons de parler en français, en lingala. Mais je t'assure, lorsque tu parles en français et en lingala, tu commets des fautes de la et de fautes de le. Mais celui qui parle en d'autres langues ne commet pas de fautes de le et de la. Pourquoi? Il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de singulier. Alléluia! Et le baptême du Saint-Esprit est la porte des dons spirituels. Le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de guérison, le don de miracle, le don de prodige, le don de prophétie, le don de discernement des esprits. Frères et sœurs, une église sans don spirituel est une église aveugle, est une église sourde, est une église sans main. Et nous avons besoin de ces choses, des hommes qui ont le don de guérison, des hommes qui chassent les démons, qui ouvrent les yeux des aveugles, qui font marcher les paralytiques, qui te regardent et te révèlent ta vie. C'est important dans l'église. Il y a des gens, une fois qu'il est baptisé du Saint-Esprit, avec le signe du parlant d'autres langues, Amen, il s'arrête là, c'est fini. Non, le torrent ne s'arrête pas au niveau des genoux. Il évolue jusqu'au niveau des reins. Alléluia. Qu'est-ce qu'au niveau des reins? C'est l'onction royale. C'est l'onction qu'on donnait au roi afin qu'il puisse diriger tout Israël. Et David a reçu cette onction car il a été oint derrière les brebis de son père. Il était oint sur Juda et ensuite il était oint sur Israël. C'est alors qu'il a dirigé tout Israël. Frères et sœurs, lorsque tu cherches l'onction, rien que pour toi-même et pas pour impacter le monde, Dieu te donnera des petites onctions. L'onction royale.
vient pour des grandes choses. On donne des grandes armes à ceux qui vont au front. C'est pourquoi vous remarquez, les policiers ne sont pas aussi bien armés que les militaires. Alléluia. Les policiers gardent les civils, mais les militaires, ils vont au front. C'est pourquoi avant que Dieu ne fasse croître ton onction, il fait croître ton entendement, il fait croître ta vision, il fait croître ton fardeau, ta passion pour les âmes perdues, ta passion pour les malades. Lorsque tu vois un paralytique, ça t'énerve. Lorsque tu vois un aveugle, ça t'énerve. Lorsque tu vois un païen, ça t'énerve. Lorsque tu vois toute une nation dans le péché, ça t'énerve. Et là, l'onction de Dieu commence à venir sur toi, mais une onction royale. Tu deviens aujourd'hui président de la République. Du coup, il y aura l'armée autour de toi. Du coup, il y aura la sécurité autour de toi. Pourquoi? Parce que tu deviens quelqu'un d'important. Et quand tu deviens important dans le royaume de Dieu, Dieu te voit d'une onction royale. Une onction royale. Une onction supérieure. L'onction qui était sur Paul était une onction royale. L'onction qui était sur Pierre, de sorte que son ombre guérissait les malades. Dieu regarde que son serviteur est débordé. Il ne peut plus imposer les mains à tout le monde. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais il doit guérir les malades. Mais il ne peut pas imposer les mains à tout le monde. Quelle est la solution? Il faudrait que son onction puisse opérer aussi dans son ombre, de sorte que Pierre se promenait, mais son ombre est en train de te guérir. Car l'ombre ne se fatigue pas d'imposer les mains. Hey! Donne-moi la main! L'onction royale, c'est une lourde responsabilité. C'est la plus grande onction que Dieu puisse donner à un homme. Mais ce n'est pas la plus grande onction dans le monde. Comprenez ce que je viens de dire. C'est la plus grande onction que Dieu puisse donner à un homme. Au-delà de cela, il n'y avait rien d'autre. C'est pourquoi Dieu prend le temps avant de donner cette onction à quelqu'un. Car je vous assure, cette onction-là, elle est terrible. Tu peux te déclarer Dieu avec cette onction. Dites lesbianisme spirituel. Une femme lesbienne cherche à plaire à une autre femme. Elle se maquille pour l'autre femme. Elle met l'huile pour l'autre femme. Et lorsque l'église, nous recherchons l'onction pour nous épater les autres, c'est le lesbianisme spirituel. Je suis l'épouse, tu es l'épouse. Quand je cherche maintenant à t'impressionner, je suis en train de te séduire, c'est le lesbianisme spirituel. Nous sommes loin pour la gloire du mari. 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 Seigneur, vois-moi pour qu'il puisse se sentir. Seigneur, vois-moi pour qu'il voie. Qu'on voie quoi? Tu es une femme, je suis une femme. Lesbienne, tu es une lesbienne. Lesbienne spirituelle. Entrant dans des retraites pour que quand tu vas sortir, l'église puisse trembler. Lesbienne. Cherche la puissance pour chasser les démons. Pour sauver les âmes perdues. Pour donner gloire à Dieu. Mais pas pour te faire voir à l'église. C'est le lesbianisme spirituel. Nous, on a fait de telles choses. Tu entres en retraite pour seulement impressionner l'église. Ah, que Dieu nous pardonne. Tu rases tous les cheveux, tu mets l'huile. Et tu viens, tu ne parles pas. Comme si tu n'étais plus là pour attirer l'attention. Les larmes, yomabe moko. Mais yomoko ebi que ça aventir. Tu t'assieds sur la chaise, yomoko mi kwe ici, bi. Déjà, si tu as aussi ma bise à ton coufit, boumouana, 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 ya boumouana, ya ki boumouana. La finalité, la plus grande onction, c'est l'onction de l'église locale, c'est l'onction du corps du Christ. C'est lorsque dans une église il y a l'amour, l'unité et la sainteté et la puissance de Dieu. Descend dans cette église. Avant même que le pasteur prêche, les malades sont guéris. Les aveugles voient. Tu mets le pied. Tu es totalement changé. Tu es convaincu de péché, de justice et de jugement. Les choristes chantent. La gloire tombe. Celui qui modère parle. La gloire tombe. Le pasteur parle. La gloire tombe. Tu rentres à la maison. Ça te suit. La plus grande révélation de la Bible, c'est l'amour. Le plus haut niveau de la connaissance, c'est l'amour. Et donc, la plus forte onction ne vient que dans l'amour.